Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Et donc chers amis, dans les précédents épisodes, nous avons utilisé Monsieur Andy, nous avons en fait utilisé On ne rigole plus. Ensuite on va utiliser donc America for Freedom, donc un vieux robot que j'ai donc du coup. Alors j'ai très bien entendu vos demandes vis-à-vis de ce robot, vis-à-vis du fait qu'il faudrait que j'enlève les différentes pikes pour le mettre ensuite en ligne. Vu le prix de la mise en ligne d'un robot, pour l'instant c'est pas encore prévu, ça va peut-être arriver chers amis, si vous voulez vraiment que je le fasse, je le ferai. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc on va partir dans un Battle Arena classique. À l'heure actuelle, nous sommes le 7 ou le 8 janvier 2016. Je sais que la semaine suivante, donc la semaine prochaine, il y aura potentiellement une nouvelle arme ou un nouvel objet dans les maps. Qu'est-ce que j'entends par là? Potentialité de... Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, en fait, il va y avoir des espèces de... De DCA, on va appeler ça des DCA, hein, c'est vraiment le principe, c'est-à-dire des unités terrestres permettant d'abattre des ennemis aériens. Des canons terrestres anti-aériens. Moi je demande pas mieux, hein, je demande à voir ce que ça peut donner, hein, après on verra ensuite ce qui se passera. Alors, c'est un petit peu long, donc du coup on va faire une ellipse. Re, chers amis, alors nous voilà partis. On n'a même pas le temps de boire un coup. 10 secondes, hop, on a suffisamment de temps pour boire un coup. Hop, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut dézoomer déjà? Non, même pas. Et nous voilà partis. Je remets un petit peu de son dans mon casque. Et nous voilà partis donc. Ok, touché. Je crois que j'ai raté mon tir, mais c'est pas grave. Hop. Combien sont-ils de ce côté-là? SMG copter spotted. Plasma bomber spotted. The top fusion tower has been captured. Touché. SMG copter spotted. Touché. On est touché aussi, remarque. Hop. Un petit coup de régène, ça va nous faire du bien par où ça passe. Hop. Parfait. On a littéralement récupéré. Hop, je l'ai eu. Ok, touché. Ils sont nombreux dans le coin. Hein. Raté. Putain. Touché. Ah la vache, merde, mon vaisseau tank d'un côté, entre guillemets, littéralement. Ok. Alors pourquoi je profite pas du heal? Parce qu'en fait, comme déjà je peux pas tirer tout le temps, chers amis, il vaut mieux que je préserve mon heal. Oh! Merci. Touché. 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 Si on s'approche pas, on n'arrivera pas à l'avoir par contre. Touché. Touché. Plasma bomber spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Touché. Toi si tu redécolles derrière par contre. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. SMG copter spotted. Touché. Plasma tank spotted. SMG copter spotted. Oh, raté. Your bottom fusion tower is under attack. Vous arrêtez de faire mine de tirer?
Oula. J'ai pris un vilain coup dans le nez. Faudra un petit coup de heal, ce serait cool. Raté. Touché. What? Comment j'ai pu prendre autant de dégâts dans le nez? Excusez-moi. Je suis encore bien atteint, moi. C'est la connerie, hein, ça. Ça fait des ravages. Touché. T'es sérieux? Putain d'SMG, quoi! Faites quelque chose, les mecs. Mais me heal pas si c'est pour me péter mon temps de heal. Mais putain! What? Mais qu'est-ce qui branle nos potes? Putain! Mais me heal pas! Tu sers à rien! What? Mais regardez les dégâts que font ces putains de SMG! C'est pute, c'est complètement pute. De toute façon. Hop! 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 Hop. 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 Aussi nombreux? Hop là. Allons-y. C'est ce que je voulais savoir. Où est-ce qu'ils étaient planqués? Prends ça dans le nez. Enfin bon, c'est dégueulasse quand même. Regardez-moi les dégâts qu'il me fait avec une SMG. Moi, je lui envoie une bombe dans la gueule, il prend rien, quoi. Eh oh, vous arrêtez de camper au putain de spawn? Putain, mais ils font que ça! Ils font que ça! On n'est pas des masses offensives, hein. Allez. En même temps, c'est quoi ce machin? Voilà. SMG, génial, hein. Oh putain, génial. Ça me saoule.
Ça me saoule. Regardez ça, c'est même pas fait pour voler. Est-ce qu'on a quelqu'un? Ah, regardez lui, alors lui il campe, bon c'est un sniper, pourquoi pas. Lui, il fait... Il essaye des choses. Mais il en chie. Hop. SMG copter spotted. On va rigoler. Foutons-leur un peu la trouille. OK. SMG copter spotted. Ok. Ça va les mecs? Je m'en fous. Je m'en fous. Je vous ai bien foutu les boules. Que ça peut secouer mon équipe, ce serait cool. Il y en a deux sur la droite. Ça va être chaud. Mais alors qu'est-ce que vous branlez les mecs? Ah si, lui il campe. Enfin il protège. Toi, j'ai pas encore compris ce que tu branlais avec ton vaisseau. Je crois que tu sais pas non plus ce que tu branles avec ton vaisseau en fait. C'est là qu'est le principal problème. Il y a un petit coup de canon là. Ah non, il veut absolument se les faire au... Au Razor Blade en fait. SMG copter spotted. Plasma tank spotted. SMG blade. Hop les bouffes. You no longer have your clock cycle booster. Touché. Quoi? Mais putain, mais quand je vois regarder les dégâts que me font une putain de SMG. Regardez les dégâts que me font une putain de SMG. Et regardez-moi ce qu'il prend avec une explosion, lui, à la base. Putain, mais avant de sortir de nouvelles armes, équilibrez votre jeu de merde. C'est saoulant. Enfin bon. Putain. Ça me saoule. Une demi-heure de respawn en plus. Eh les mecs, vous êtes rentrés tous au camp là, vous dites ça y est, c'est la fin de la partie. On a tout perdu, ça y est. Voilà, regardez, on a 3 vaisseaux, 4 vaisseaux au camp. Génial hein. La moitié de l'équipe qui reste au spawn. Et qui se fait défoncer hein, parce que les autres ils font qu'avancer, ils ont leurs points qui sont bien plus élevés que les nôtres. Enfin bon, c'est pas grave, et en plus je spawn ici, génial. Et toi qui est même pas censé voler. Voilà, c'est fini. Parce que ces canons sont plus précis que les miens et que les splash damage de mes canons ne sont pas assez importants. C'est-à-dire la capacité de mes canons à faire un dégât de zone n'est pas assez important vis-à-vis d'une électroplète qui résiste à tout.
Donc clairement, les dégâts de base en fait des gros canons sont nazes. Je me demande ce que je fais avec des canons. Non, c'est vrai. De toute façon, c'est mort, hein. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y en a pas un qui a été offensif, quoi. Ça me saoule. Alors, entre Robocraft et Star Wars qui me saoule, je sais pas, peut-être que j'aurais tout arrêté, hein. Peut-être arrêter Star Wars et Robocraft. Ça vous plaît, chers amis, hein, pourtant de me voir rager, mais là, ça me... J'ai aucun plaisir à jouer sur des parties comme ça, hein. J'étais le seul, l'impression, à avoir fait quelque chose. Ils ont tout juste campé le point. Ça me saoule. Ah, putain. C'est une... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. J'ai 1 million. Combien coûte la méga SMG? Pardon, pas la méga CG, mais la méga... truc, la méga plasma. Ah pardon, elle coûte 11 millions. Excusez-moi. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, je me demande encore si ça sert à quelque chose. Hop, voilà. Salut les gens.